Monsieur, bienvenue à votre magazine sportif préféré, Actu Sport. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie et j'ai sur ce plateau mon collaborateur habituel à l'épaule. Bonsoir. Bonsoir, confrère. Alors, téléspectateurs, aujourd'hui, il s'agira essentiellement de la cinquième journée du championnat national de Ligue 1. Nous allons naturellement parler du tirage au sort des équipes qui vont se confronter pour la Coupe CAF. Aussi, revenir sur le budget 2015 de cette CAN qui va se tenir en Guinée équatoriale concernant naturellement la Côte d'Ivoire. Actualité aussi de cette CAN 2015, les équipes se préparent chacune à sa façon et finir avec le joueur africain de l'année. On se retrouve tout à l'heure après ce jingle. Très rapidement, nous ouvrons le chapitre footballistique comme annoncé dans les titres avec la cinquième journée du championnat national de Ligue 1. Les différents stades de la Côte d'Ivoire ont vibré à l'épaule. Bonsoir. Alors naturellement, au stade Biakaboda de Gagnoua et celui du stade Ouattara Thomas d'Aquin de Kathiola. Le stade du général Ouattara Thomas d'Aquin de Kathiola, je vous en prie. Merci pour la précision. Alors, il faut le dire, c'est le dernier numéro Actu Sport de l'année 2014. Et aujourd'hui, marqué aussi par ces rebondissements de cette cinquième journée de Ligue 1 du championnat national de Côte d'Ivoire. Oui, la cinquième journée du championnat national de Côte d'Ivoire, dénommée Ligue 1, a donné son verdict le dimanche dernier avec le dernier match entre la FAD et le Benguela Dodiené. Ce qu'on retient, c'est que la SEC d'Abidjan a bouclé ses matchs de l'année 2014 par une précieuse victoire, on l'indiquait tout à l'heure, au stade du général Ouattara Thomas d'Aquin de Kathiola. 1-0, un but donc... Pour la plus petite marge. Voilà, pour la plus petite marge. Et tenez-vous bien, la SEC d'Abidjan qui... était cinquième, hein, cette victoire a propice, n'est-ce pas, le club jaune et noir à la tête du classement. Comme quoi, le fauteuil de leader est flexible. Voilà, c'est ce qu'il faut remarquer, le fauteuil de leader est flexible, mais les pachydèmes de Alain Guaméno ont quand même dû se ressaisir et assurer l'essentiel. Oui, c'était vraiment important pour la SEC d'Abidjan de terminer l'année en beauté, étant donné que la SEC a des ambitions pour la Ligue des Champions. Donc, il faut remporter le titre de champion de Côte d'Ivoire. Comme tous les clubs, naturellement, ont des ambitions. Et je pense qu'Alain Guaméno s'en sort bien avec cette victoire. D'accord. Alors pour la suite des différents matchs. Oui, il faut souligner qu'on a eu 5 matchs à l'intérieur du pays, comme on l'indiquait. Le champion en titre, le Segou Sport de San Pedro, a croisé le fer avec le Stella Club d'Adjamé. Score nul et nul vierge, 0-0. Les artificiers du Segou n'ont pas donc fait la différence. Assane Roger a été muet pour une fois. Et la suite au Sport Lamé et la JCAT ont coupé la part en deux. Un but partout au stade municipal de Yamoussoukro, donc au pied de la basilique. Et l'équipe, le petit poussé de la Ligue 1, Boaké FC, a été surpris à domicile à Boaké au stade La Paix par une surprenante équipe concurrente de l'Asie d'Abengourou, les Princes de l'Indénier, qui ont réussi donc à battre cette formation de Alors, Boaké FC. Alors parlons de l'équipe de Boaké. Est-ce qu'on peut parler de surprise si tout qu'on sait que Boaké a débuté timidement ce championnat Oui, mais vous savez, quand une équipe vient de la Ligue 2, c'est pas évident de pouvoir retrouver ces marques, étant donné que vous avez en face des équipes qui ont quand même de l'expérience, la Ligue 1 qui est aussi un championnat de haut niveau par rapport à la Ligue 2, donc c'est vraiment pas évident pour Boaké qui, après avoir battu la SEC d'Abidjan, on pensait que Boaké allait quand même suivre cette lancée-là et puis cette équipe a été freinée par une équipe de Aka Kwame Basil, l'entraîneur de cette formation de l'Asie d'Abengourou qui a su remonter ces gars pour leur première victoire aussi en Ligue 1. D'accord. Voilà, autre match, le fameux classico de la cinquième journée entre les frères, les frères Sporting Club de Gagnon et l'Africa Sport National. Alors, mais d'accord, oui, on sait que ce n'est plus les grands matchs dans le temps comme on le savait au temps des... il faut rappeler que l'Africa d'abord s'appelait les 11 Frères Les 11 Frères Donc vous comprenez pourquoi on parle de classico, ce sont des frères. Voilà, l'Africa Sport National, j'ai envie de dire, est tombé à Gagnoua, puisque 0-0, c'est un score qui n'arrange pas l'Africa, parce que l'Africa était leader du championnat, rappelez-vous, à la troisième journée. Mais c'est un score aussi qui n'arrange pas le Sporting Club de Gagnoua. Alors, parce qu'il faut le dire, le Sporting Club de Gagnoua, par rapport à l'Africa, est venu cette année avec quand même des ambitions. On a vu à l'Assemblée Générale du Sporting Club de Gagnoua annoncer quand même un budget d'un certain niveau, avec des recrutements. Oui, de 200 millions de francs CFA. Et par rapport à l'Africa Sport National, le Sporting Club de Gagnoua a terminé l'exercice précédent avec. Deuxième. Deuxième du championnat. Mais on voit le Sporting Club de Gagnoua qui démarre quand même timidement, qui a du mal
a retrouvé sa vitesse de croisière. Oui, vraiment, moi, ça m'étonne comment après 5 journées, cette équipe de Gagnoala qui était deuxième l'année dernière avec 55 points, donc 2 points de différence avec le CEO Sport de San Pedro, champion en titre. Le Sporting Club de Gagnoala, après 5 matchs, n'a marqué que 2 buts. C'est quand même dangereux pour cette formation qui a quand même recruté un superbe attaquant, Diabaté Samba, l'ex-artificier des Verts, le moyen d'Adjamé. D'accord. Alors, nous allons rapidement continuer. Donc, Gagnon Africa 0-0. Et au niveau des rencontres qui se sont donc déroulées au bord de la Lagune de Brié, l'ex-leader, l'ex-standard, a été malmené par une superbe équipe du stade d'Abidjan. 2-0, surtout un très bon match d'un Bayo Vakoum et de Kone Mouyabi qui ont vraiment asphyxié cette défense venue de Tanda. Reste à dire que le temps passé au purgatoire pour le stade d'Abidjan lui a fait beaucoup de bien. Oui, mais le stade reste quand même une grande équipe. Vous savez, cette formation de feu maître Mondon Kounan qui aujourd'hui repose chez ses pères à Tibissou, qui quand même a réussi à quand même donner j'allais dire un prestige à ce club là. Donc on ne peut pas parler du stade d'Abidjan en première division et puis jouer on ne peut pas être stade d'Abidjan et vouloir jouer le second rôle. Donc je pense que c'est une équipe qui... on ne va toujours pas quand même souhaiter le purgatoire à cette équipe hein, du stade d'Abidjan, non, pas du tout. Le stade est une bonne lancée avec cette victoire là. Le stade quand même réussi à avoir 7 points et se loge au milieu du tableau. Et le dernier match a opposé l'équipe de l'AFA de Djekanou au Dengue Sport d'Oudiné, victoire des académiciens de Djekanou face à une équipe du nord du Dengele qui est actuellement en difficulté. D'accord, nous partons pour le résultat total, récapitulatif. Okay. Résultat 5e journée. Hein. D'accord, récapitulatif, résultat 5e journée, Stade d'Abidjan 2, Standard 0, Sporting Club de Gagnoua 0, Africa 0, Soa 1, JCAT 1, CEO Sport de San Pedro neutralisé donc au Stade Auguste Denis par le Stella 0-0, Boaké FC 0, Asie Dabengro 1, COK 0, ASEC 1 et AFAD 1, l'Est Dengele 0. Alors, au niveau donc des résultats, au niveau du classement, l'ASEC d'Abidjan est en tête avec 10+2, deuxième Est Standard 10+1, troisième Africa Sport National 10+1. Tanda est deuxième parce que Tanda a plus de buts que l'Africa Sport National. Quatrième JCAT, cinquième SOA, sixième Stade d'Abidjan 7+3, septième AFAD. Au niveau de deuxième partie du tableau, nous avons l'Asie d'Abengoura à la 8e place, Sporting Club de Gagnoua 9e, 10e CEO Sport de San Pedro qui est encore en bas du tableau, hein, le champion titre. Et puis 11e Stella Club d'Adjamé, 12e Boaké FC, 13e Dengele et le COK ferme toujours la marche avec 2-6. Au niveau des statistiques, hein, la meilleure attaque reste la JCAT, après 5 matchs, la JCAT reste meilleure attaque avec 9 buts. La plus mauvaise attaque, c'est le COK. 5 journées sans but, vraiment, c'est quand même inquiétant pour nos amis du Nord. Et meilleure défense, Africa, Asie, Gagnoua, 2 buts encaissés. Et la plus mauvaise défense, sinon les plus mauvaises défenses, les défenses du CEO Sport de San Pedro et du club Omnisport de Korogo. Au niveau des buteurs, Denis Thiao, après 5 journées, totalise donc 6 buts. Et deuxième, Boa Kofi David, le meilleur buteur de l'année dernière, qui est actuellement deuxième au niveau des classements, les meilleurs buteurs avec 3 buts. La SEC d'Abidjan, Tanda et Africa ont plus de victoires, 3 victoires, les matchs nuls, l'Asie d'Abengourou et Gagnoua ont 3 matchs nuls et le COK et le Dengele, donc au totalise 3 défaites, donc les plus mauvaises équipes de la Ligue 1. D'accord, alors il faut préciser que pour cette 5e journée de ce championnat de Ligue 1, on a eu droit à 7 buts. Oui, 7 buts, voilà, à raison d'un but par match, c'est vraiment pas intéressant. Est-ce que les buteurs ivoiriens pensaient au fait? Si les buteurs ivoiriens ont décidé pour cette fin d'année de compléter les défenses adverses, bon, on verra pour la suite du championnat. Voilà, c'est vraiment pas intéressant. Alors okay. D'accord, allez Paul, avant de revenir déjà sur le budget de la FIF concernant la CAN 2015, nous allons très rapidement revenir au tirage au sort de ces compétitions africaines-là, précisément la CAF. Le tirage au sort a donné son verdict, les équipes sont connues, précisément le CEO Sport de San Pedro qui va croiser le fer avec l'AS Calvo de la Guinée. Oui, on connaît le programme des clubs ivoiriens engagés en Coupe d'Afrique. Le CEO Sport de San Pedro, champion en titre, donc jouera les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Et le CEO croise une équipe guinéenne, l'AS Calvo de Guinée, en tour préliminaire. Et le match allait déjà se dérouler à Abidjan le 13, 14 ou 15 février au stade Robert Champroux. C'est qu'il faut signaler que l'AS Calvo, ce n'est pas son premier voyage en Côte d'Ivoire. Oui, 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 mais c'est une équipe généralement qui est battable hein, par les formations ivoiriennes. Et puis concernant la Coupe de la Confédération, l'ASEC d'Abidjan rencontrera en 6e de finale le vainqueur du tour préliminaire entre l'équipe de Altiad et Elexport et ça
ce vainqueur-là sera reçu au niveau des sixièmes de finale à Abidjan les 13, 14 ou 15 mars au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, qu'on espère bien qu'il va retrouver toutes ses aptitudes. Alors très rapidement, nous allons ouvrir le chapitre footballistique de la CAN 2015. On ne peut pas parler de CAN 2015 et revenir. Et comme d'habitude, bras de fer entre le ministère de la Jeunesse et des Sports dirigé par le ministre Alain Le Bougnon et la Fédération Ivoirienne de Football. Alors déjà, ce qu'il vous dit, bel et bien, la Fédération Ivoirienne de Football aura son budget. Oui, la Fédération Ivoirienne de Football aura son budget de 3,5 milliards que la Fédération avait demandé. Après et donc, beaucoup de tractations, bien sûr. On peut dire que le bras de fer entre le ministère des Sports et la Fédération Ivoirienne de Football concernant le budget de la CAN 2015 connaît son épilogue. Le ministère se frotte les mains puisqu'il garde la majeure partie de son budget, tout simplement parce que le chef de l'État ivoirien donc, a décidé, n'est-ce pas, de régler cette facture pour permettre aux éléphants de Côte d'Ivoire de pouvoir donc se préparer et voyager tranquillement à Abu Dhabi pour la préparation. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que vraiment un budget, ce budget pourrait être ce point d'achoppement quand même, voir la non-participation de l'équipe jusqu'à ce niveau de la compétition, voir que jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans des problèmes de budget. Oui, mais en fait, perpétuel recommencement finalement. Mais vous savez, moi je parle de stratégie parce qu'on savait que les éléphants allaient se déplacer et que forcément une solution allait donc se trouver, étant donné que le premier ministre même, Daniel Kablan Dika, avait déjà reçu les deux donc parties. Et moi je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour le ministère qui maintient son budget et permettra, n'est-ce pas, aux autres sports de pouvoir mieux se financer. Et je rappelle que le président Sidi Diallo a appelé les joueurs et les encadreurs à mériter, j'allais dire, cette mansuétude présidentielle. Ouais, aujourd'hui, mais justement, est-ce qu'on peut déjà dire que la Côte d'Ivoire... Bon, beaucoup de choses ont été dites autour de ce budget. Surtout que pour cette CAN, les éléphants de Côte d'Ivoire se présentent sur la grille de départ, comme sinon dans le costume des favoris. Espérons bien. Alors, actualité CAN 2015, nous allons revenir maintenant au niveau de la préparation des différentes équipes. Plusieurs équipes déjà sont engagées, les listes ont déjà commencé à sortir. Nous allons naturellement tout à l'heure revenir à la liste de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais on va commencer par les autres équipes, parler naturellement des Black Stars du Ghana. Oui, avant de parler des Black Stars du Ghana, je voulais quand même donner quelques statistiques pour préciser la forme de ces équipes nationales là qui participent à cette CAN. Au niveau des éliminatoires de la CAN 2015, la CAF donc vient de nous donner quelques statistiques. Est-ce que vous savez que par exemple, il y a eu quand même 192 buts qui ont été inscrits lors des phases de poule. 192 buts, dont 75 buts juste avant les préliminaires et 192 buts au niveau des matchs de groupe. Alors, ce qu'on retient, c'est que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est la meilleure attaque. La meilleure attaque. On a parlé des éliminatoires. Rappelez-vous qu'on a parlé de l'absence de Didier Drogba, voilà. Mais on se rend compte qu'après 6 matchs, la Côte d'Ivoire est la meilleure attaque avec 13 buts. Et le pays qui suit la Côte d'Ivoire est le Ghana qui totalise notre 11 buts. Voilà. Mais ce qu'il faut dire à l'épaule, c'est que le problème de la Côte d'Ivoire ne se situe peut-être pas au niveau de l'attaque. C'est-à-dire, si c'est pour perdre les matchs, peut-être 5 buts à 4, ou comme nous le voyons. Non, mais au moins, on a réglé cette histoire d'attaque, parce qu'on craignait avec le départ de Didier Drogba. 13 buts, meilleure attaque, c'est quand même encourageant pour la Coupe d'Afrique qui vient. Et toujours au niveau des statistiques, la meilleure défense donc, est le Cameroun qui a encaissé un seul but lors des 6 matchs de préparation, pareil pour l'équipe du Sénégal. Et donc le Cameroun est équilibré, étant donné que quand on interroge toujours les statistiques, le Cameroun fait partie, n'est-ce pas, des équipes qui ont plus de différence de buts, donc plus 8 pour le Cameroun et plus 8 pour l'Algérie. Le Sénégal totalise plus 7. Et concernant les meilleures nations en termes de points gagnés, l'Algérie est en première position avec 15 points, deuxième encore le Cameroun avec 14 points. Donc on constate que cette formation-là est vraiment équilibrée et ça m'étonne que l'équipe de Cameroun n'ait pas quand même tête de poule durant cette CAN, notamment l'équipe algérienne aussi qui est, il faut le rappeler, premier au classement FIFA au niveau de l'Afrique. On espère bien que ces statistiques vont nous donner soit tort ou raison durant cette compétition pour la CAN 2015 qui se tiendra en Guinée équatoriale. Alors nous continuons avec l'actualité de cette CAN 2015. Parlons aussi du niveau de préparation des différentes équipes. Hein. Oui, au niveau de la préparation des différentes équipes, les Black Stars du Ghana vont se préparer donc en Espagne, à Séville. L'équipe du Ghana évoluera sans quelques mentors. Prince Kevin Boateng ne sera donc pas en Coupe d'Afrique. Pareil pour
l'ex-super joueur ghanéen Michael Essien, le coéquipier de Didier Drogba, et aussi Sule Mountari, absent. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les... Oui, mais quand même, on aurait dû voir quand même ces joueurs expérimentés, oui, qui allaient apporter leur savoir-faire pendant cette CAN. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le propre des compétitions africaines. On a tendance à croire que les joueurs qui jouent jusqu'à un certain âge, bon, espérons que c'est vraiment l'âge qu'ils ont, ils raccrochent quand même. Voilà. C'est un problème, donc, voir un joueur comme Michael Essien ou Sule Mountari, qui continue de faire de bonnes choses dans leur club respectif. Oui, à Milan, on aurait quand même pu les voir. Mais le Ghana a quand même de bons joueurs à l'image de Atsu, de Badou, du jeune Assamoah de la Juventus de Turin. Je pense que le Ghana a de la bonne pépinière pour, n'est-ce pas, avoir une prestation honorable lors de cette Coupe d'Afrique et des Nations. D'accord. Et concernant la suite des équipes qui sont en préparation? Oui, l'Afrique du Sud a débuté sa préparation depuis vendredi dernier à Johannesburg. Des matchs amicaux sont prévus, notamment contre la Zambie et le 9 janvier contre le Mali et au Gabon, et pareillement un dernier match contre le Cameroun à Libreville, toujours au Gabon, le 11 janvier. Et au niveau du Sénégal, la liste des 23 a été donnée. Ouais. Demba Ba, l'attaquant, n'est-ce pas, l'ancien attaquant de Chelsea qui évolue aujourd'hui en Turquie, n'a pas été appelé. Et tenez-vous bien, Demba Ba s'est vraiment fâché. Il a trouvé pas vraiment normal qu'on ne l'appelle pas. Étant non, donné mais est-ce qu'aujourd'hui Demba Ba n'a pas été victime d'un championnat moins médiatisé? Oui, dit, je pense que vous avez raison. Parce que d'avoir quitté, il faut dire, l'Angleterre, il a quitté l'Angleterre, Chelsea, Newcastle, tout ce que nous on connaît, et aujourd'hui se retrouve en Turquie. Bon, peut-être pour l'entraîneur, c'est, je dirais, peut-être une baisse de niveau. Aujourd'hui, quand nous regardons un garçon comme Mané qui fait de grandes choses avec Sam, Sadio Mané, voilà, hein. Voilà, c'est quand même bon, c'est logique. Et le Sénégal a de très bons joueurs. Je pense que la concurrence est rude au niveau de l'attaque. Quand vous avez des garçons comme Drissa Ganagueï, Moussa Sow. Voilà, ou l'attaquant de Newcastle, Papi Cissé, qui est vraiment un très bon attaquant, qui évolue avec Tchouaméni. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que dans les compétitions africaines, naturellement, comme dans les autres compétitions de grande envergure, il faut quand même qu'on laisse aussi la prise de risque des entraîneurs pouvoir laisser court. Oui, mais parce que l'entraîneur sénégalais Alain Giresse est un vieux Réna, pas comme un vieux Réna, mais je veux dire qu'il a l'expérience des Coupes d'Afrique, étant donné qu'il a été le sélectionneur de l'équipe malienne lors de la dernière CAN. Troisième en Coupe d'Afrique, c'est quand même un entraîneur d'expérience. Et je pense que son choix peut être justifiable. D'accord. Alors, allez Paul, nous allons continuer avec les différentes sélections, particulièrement les 23 de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les éléphants, qui vont défendre les couleurs nationales durant cette CAN 2015. La liste des 23 est connue, hein? Oui, la liste des 23 est connue depuis ce lundi. Est-ce qu'on peut parler des rebondissements? Bon, très rapidement, on va les citer. Au niveau des gardiens de but, trois gardiens, comme d'habitude, Copa Baribo, Sylvain du Cerro Sport de San Pedro et Sayuba Mandé. Au niveau de la défense, Serge Aurier, Tiené Siaka, Kolo Touré, Djarassouba Vira, Wilfried Canon, Eric Bailly, nous allons donc revenir sur ça, Akpa Akoro. Au niveau du milieu de terrain, Yaya Touré, Manchester City, Cyril Dier, Cheikh Tiote, Ismaël Doumandé, Doucouré, Cheikh, un nouveau aussi, Mas Gradel et Assalé Roger Claver ont été donc préférés par Hervé Rena. Au niveau de l'attaque, Wilfried Boni, Lassina Traoré, Doumia Seydou, Gervinho, Yao Kwasi Gervais et Kalou Salomon et Gadi Sili Talou Junior, donc, qui ont été donc préférés par Hervé Rena comme Rena de surface pour l'équipe D'accord, alors nous allons rapidement parler de cette sélection des 23 Ivoiriens. Alors, selon vous, est-ce que c'est une sélection logique? Bon, par rapport au nom que nous venons d'avoir, il n'y a seulement que deux surprises. Ouais. Au niveau du milieu de terrain, voilà. J'allais dire au niveau de la défense, Eric Bailly, qu'on ne connaissait pas, oui, et que la rédaction sportive de Béni TV avait déjà annoncé. Oui, qui a fait un superbe match déjà contre l'FC Barcelone. Oui. Le FC Barcelone de Lionel Messi, c'est vrai. Eric Bailly même avait titillé Lionel Messi, le génie. Alors, un joueur qui joue sans complexe, qui a le souci du contrôle, qui vraiment, en tout cas, balle au pied et qui, face à de grands attaquants, si tu as réussi à ne pas trembler devant Lionel Messi, je pense qu'une compétition comme la CAN ne peut pas être quand même un événement. Et nous sommes heureux que notre voix, n'est-ce pas, importée. Et nous pensons que ce mais garçon... Mais ce qui me dérange un peu quand même, c'est la non-sélection d'Arthur Boka. Surtout qu'il a repris avec son équipe. Voilà, c'est quand même étonnant de voir Arthur Boka ne pas figurer sur cette liste. Est-ce qu'on peut parler des caprices, encore des énormes caprices perpétuels des coachs? Oui, mais le danger, c'est qu'on a un seul latéral gauche qui est Tiené Siaka. Et on le dit souvent, Tiené Siaka, il est instable comme les vagues de la mer, comme on l'avait dit. Oui, c'est mais clair. Si Tiené Siaka, par exemple, se blesse ou a un carton rouge, qu'est-ce qu'on fait? Et même quand Tiené Siaka ne se blesse pas, il n'est pas encore convaincant sur le terrain. Je pense que Hervé Rena, c'est une équation, je pense, à trois inconnus à résoudre.
Bon, comme ils les aiment bien. Voilà, comme on regarde cette liste-là, au niveau des gardiens de but, il n'y a pas de problème. Au niveau de la défense, Serge Aurier, Tini Saka, bon, ça va. Polo Touré, le vieux de la vieille, est encore là. Akma Koro, donc, peut suppléer Aurier Serge, puisque vous savez que Brice Diadidi a décliné l'offre de la sélection. Oui, mais il avait donné des raisons quand même valables. Ça ne sert à rien de venir en équipe nationale jouer les second rôles pendant que de l'autre côté, tu peux être utilisé. Non, mais vous savez, c'est discutable. C'est discutable parce que une équipe nationale de football. Je pense que c'est l'environnement quand même de l'équipe qui amène certains joueurs à prendre certaines décisions. Voilà, parce que même si le joueur, pour une raison ou une autre, refuse la sélection, il est bon. Moi, je pense qu'il a plus peur de la concurrence avec Serge Aurier, qui est plus en confiance, et je pense que c'est quand même pas une bonne décision pour lui. Comme vous l'avez dit, c'est quand même quelque chose de... Voilà. C'est quand même quelque chose qui danse. Au niveau du milieu de terrain, le seul qui fait son baptême de feu, c'est Doucouré Cheikh, qu'on ne connaît pas. Moi, franchement, je le vois jouer à Metz. C'est un garçon, c'est vrai, un peu vivace dans le jeu. Mais à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle la dynamique de jeu qu'il faut connaître en fréquentant les autres. On espère que durant cette préparation à Abu Dhabi, ce joueur-là pourra donc retrouver les automatismes de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et au niveau de l'attaque, nous sommes très heureux de retrouver Wilfried Bonny, le superbe attaquant de Swansea. Et puis, Doumia Seydou, pour une fois, aura sa chance. Et moi, je pense que l'enfant de d'Odiené, puisqu'elle a été buteur du Dengue Sport d'Odiené, doit saisir cette occasion. Alors, c'est un joueur qui a fait toutes ses classes, comme il faut le dire, qui a côtoyé des grands championnats, qui aujourd'hui a fait toutes ses preuves. Oui. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été heureux de porter le maillot de la sélection nationale. Mais qui la sélection ne réussit pas à Doumia Seydou. Et en revanche, la Traoré Lassina. Oui, Traoré Lassina a fait ses preuves. Il a joué contre le Cameroun, il a joué contre l'équipe de la Sierra Leone, même si, selon moi, à mon regard d'observateur, je pense qu'il a été très moyen. Mais c'est un joueur qui est en confiance, puisque aujourd'hui, il est titulaire à l'AS Monaco, qui est quand même un club engagé en Ligue des Champions et qui est qualifié pour le deuxième tour de la Ligue des Champions. Je pense d'accord. qu'il peut être intéressé. Hein. Allez, Paul, espérons quand même que toutes ces valeurs seront profitables à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui, pour une fois, quand même, je ne dirais pas une surprise, ne fait pas partie des favoris, sinon. Moi, je pense que oui. Nous sommes favoris avec les gabarits qu'on a. Bon, les supporters nous disent chaque fois qu'ils sont fatigués d'avoir la Côte d'Ivoire comme favori et sortir au premier tour être dessus. Alors, parlons des joueurs ivoiriens, naturellement, on revient rapidement sur le joueur africain de l'année. Alors, on sait que c'est une distinction qui concerne tous les joueurs engagés dans les championnats respectifs, mais il y a quand même certains qui sortent au-dessus du lot. Oui, la CAF, la Confédération africaine de football, a communiqué le 25 décembre dernier les noms des trois finalistes au titre de meilleur joueur africain de l'année civile 2014. Et vous savez que l'Ivoirien Yaya Touré de Manchester City et Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais de Borussia Dortmund, et le gardien Vincent Yama de Lille, donc le Nigérian, ont été donc sélectionnés comme finalistes. Mais d'accord, après analyse quand même, les noms sont cités. En toute humilité, nous savons qu'il y a Touré quand même au-dessus du lot. Hein. Bon, il faut d'abord faire une analyse fine pour voir quels sont les atouts de ces trois prétendants. Nous commençons par le gardien de but nigérian Vincent Iyama. Venu de l'APOEL de Tel Aviv, le champion israélien, Vincent Iyama a fait ses preuves dans le championnat français et on reconnaît qu'il a réalisé une très bonne année 2014. Il a même été décisif à de multiples reprises en club avec la sélection nigériane, notamment au niveau de la Coupe du Monde, où le Nigeria s'est quand même qualifié pour le 8e de finale et a été sorti par la France au stade de cette compétition, c'est-à-dire en 8e de finale. Donc il a fait une bonne Coupe du Monde et un bon championnat de France. Mais ce qui peut peut-être jouer en défaveur de ce gardien-là, c'est que Lille, son équipe qui était qualifiée en Ligue des Champions, n'a pas pu se qualifier pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, Lille est mal classée dans le championnat français, qui n'est pas un championnat quand même élevé. Et en plus, Vincent Iyama et son équipe, le Nigeria, bien qu'étant champion en titre, ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est la plus grosse déception de cette phase éliminatoire. Donc, ça peut jouer vraiment en sa défaveur. Au niveau de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un garçon qui est pétri de talent. Il a réussi à s'imposer en Bundesliga, le championnat allemand, qui est quand même un championnat supérieur au championnat français. Mais ici, à ce niveau, je me pose quand même des questions. On parle de Aubameyang, quand même un bon joueur. Est-ce une décision personnelle, décision collective? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le Borussia Dortmund vit, je dirais, la pire de ces saisons. Hein. Oui, mais il faut dire qu'au niveau de cette distinction-là, on parle depuis janvier. Alors que vous savez que de janvier à juillet, ou sinon de janvier à mai, le Borussia a fait un très bon championnat d'Allemagne et a été deuxième. Donc sur cette période-là, Aubameyang a prouvé.
Voilà. Mais quand on prend de la période de septembre jusqu'à en décembre, le Borussia aussi a aussi prouvé au niveau de la Ligue des Champions. C'est vrai que le Borussia marque à son niveau du championnat, mais ils sont premiers de leur poule en Ligue des Champions. Aujourd'hui, ils sont qualifiés pour le deuxième tour. Ça, ce sont des performances à prendre en compte. Voilà. Ce sont quand même des actifs pour le joueur. Mais ce qui pourrait aussi jouer en sa défaveur, c'est que Aubameyang et son club sont très mal classés au niveau du championnat allemand et tenez-vous bien, sont avant-derniers de la Bundesliga. C'est quand même pas. Et voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la présence d'Aubameyang était quand même discutable, instable, comme vous dites, comme les vagues de la mer, en équipe nationale. Oui, vous savez même que même dans un club, il n'est pas aussi titulaire. Bon, peut-être qu'avec le départ de Lewandowski au Bayern de Munich, il a réussi à prendre une place et gagner en assurance. Mais au niveau de la performance, il n'a pas aussi réalisé de très bons. Enfin, les statistiques ne jouent pas en sa faveur. D'accord. Mais c'est un garçon qui est très sérieux. Moi, je pense que Aubameyang, au même titre que Gervinho, au même titre que Vincent Aubameyang et Clinton Gilles, les Camerounais, ont quand même un bel avenir devant eux s'ils progressent le niveau du jeu. D'accord. Ensuite, hein. Oui, ensuite, on revient donc au capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Je vais bien évidemment parler donc de Yaya Touré, lauréat en 2011, lauréat en 2012 et lauréat en 2013. L'Ivoirien a d'énormes chances, n'est-ce pas, de remporter cette distinction. Et je pense que ça sera pour la première fois qu'un joueur africain réussit à remporter quatre fois de façon consécutive ce trophée. Étant donné que Samuel Eto'o a été vainqueur à quatre reprises du titre du ballon d'or africain, mais c'était pendant trois années de suite et une année décalée, c'est-à-dire en 2010, puisque Samuel Eto'o a remporté en 2003, 2004, 2005 et 2010. Mais Yaya Touré serait le premier s'il remporte. Quatre fois de suite. Voilà, mais qu'est-ce qui joue en faveur de Yaya Touré? Il faut dire que Yaya Touré a été le meilleur buteur de son club l'année dernière avec 21 buts dans le championnat anglais, qui est quand même le championnat le plus élevé au monde. Donc City qui a fini champion d'Angleterre. En plus, Manchester City est champion d'Angleterre. Et pour la deuxième phase, c'est-à-dire de septembre à aujourd'hui, Manchester City est actuellement deuxième après Chelsea. Et Yaya Touré a réussi à marquer 5 buts. Au niveau de son équipe nationale, la Côte d'Ivoire est bien évidemment qualifiée. D'accord, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que Yaya Touré, par rapport aux autres joueurs, il n'est pas un attaquant fixe. Ouais, il n'est pas attaquant. C'est un milieu de terrain pourvoyeur qui est un pont entre la défense et l'attaque, mais qui quand même arrive toujours à se retrouver dans les 9 mètres, arrive toujours à se retrouver dans le dernier carré. Oui, mais c'est dû aussi à son intrusion de jeu, parce que vous savez que Yaya Touré, au niveau des statistiques, je tiens à préciser qu'avec les éléphants de Côte d'Ivoire, en 6 matchs, il a inscrit 2 buts. Il a inscrit 2 buts, donc ça joue aussi en sa faveur. 5 buts en club en cette deuxième partie-là et 2 buts en championnat. Donc Yaya Touré a des atouts. Et moi, ce que je veux dire, c'est que ce garçon est reconnu pour être un leader. On le dit au niveau des journalistes sportifs européens, Yaya Touré est le leader technique de Manchester City. Il a une culture tactique, il a une intelligence de jeu. Il réfléchit avant l'arrivée du ballon. Moi, j'ai tout simplement envie de dire, c'est un génie footballistique des temps modernes. Vraiment. Et je pense qu'il est vraiment mieux placé pour remporter ce trophée. Et ça fait plaisir quand même de savoir qu'un Ivoirien évolue à ce niveau-là. Mais, encore une fois, il ne s'agit pas d'être ballon d'or, mais il faut quand même que ton pays puisse quand même bénéficier de ce talent-là. Et on espère pour ce garçon-là que la Côte d'Ivoire va bénéficier. Alors, moi, la petite question que je voulais vous poser, est-ce que vous pensez que si Yaya Touré était brésilien, il ne serait pas ballon d'or? Oui, je pense qu'un joueur comme Lionel Messi a déjà évoqué cette question. C'est un garçon qui était talentueux, mais peut-être que, vous savez, au niveau de footballeurs, au-delà de la compétence technique, il y a aussi tout un challenge en termes de management communicationnel qu'il faut prendre en compte, n'est-ce pas, pour propulser ces garçons-là au devant de la scène. Je pense que bientôt on reviendra sur cette question. Oui. Elle mérite d'être développée. Okay. Alors, ici, professeur de Mouda Q-Sport. Alors, à l'époque, nous avons pratiquement fini. Quel est votre mot de fin après ce tour d'horizon? Oui, mon mot de fin, c'est que dans quelques semaines, précisément dans 2 semaines, on aura droit à la grande messe du football continental. Oui, le rendez-vous footballistique est le plus important du continent. On espère être, en étant même à Abidjan, au cœur du rendez-vous, et donc avoir des spécialistes avec nous pour décortiquer ces matchs-là et faire plaisir à nos téléspectateurs. Oui, très bientôt, nous aurons les plateaux, pour, comme vous l'avez dit, pour des débriefs concernant cette CAN 2015 qui se tiendra en Guinée équatoriale. Téléspectateurs, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro d'Actu Sport, le dernier numéro de l'année 2014. Alors, il faut aussi saluer notre collaboratrice qui a été empêchée. Oui, Marie-Dominique Gomet, vous la révélez, je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui l'aiment quand même. Le lundi prochain. Alors, nous allons saluer toute l'équipe d'Actu Sport
Sport avec à sa tête notre réalisateur attitré Charles-Luc Popo. Nous allons aussi remercier Sylvestre Douba, remercier aussi notre collaboratrice qui est dans l'ombre et qui sortira bientôt, Ange Dominique. Oui, la lumière. Alors, remercier aussi toute l'équipe, Agathe Yapo, Paterne Quadio, Enis que vous aimez bien aussi. Alors, toute l'équipe d'Actu Sport vous dit tout simplement merci pour cette fin d'année. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Bientôt, vous aurez vos plateaux débrief pour cette CAN 2015. On vous souhaite simplement beaucoup de bonheur. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt.